voudrais que les uns et les autres comprennent qu'en politique, il n'y a pas d'adversaire à perpétuité ni d'allié pour toujours. Les alliances nouent en fonction des intérêts et des circonstances. Dans un passé récent, le PIP, nous étions des grands adversaires, mais ce passé ne nous a pas empêchés de se retrouver en 2010 dans une alliance qui a porté Alpha au pouvoir, le président Alpha au pouvoir. Et donc, il n'y a pas, comme je l'ai dit, d'adversaire à perpétuité ni d'allié pour toujours. Les circonstances d'aujourd'hui exigent que toutes les forces politiques du pays se retrouvent pour faire face à la nouvelle situation qui est la fixation unilatérale de la durée de la transition à 39 mois. Quand les militants du RPG Arc-en-Ciel, des militants, disent qu'ils ne comprennent pas le fait que le RPG Arc-en-Ciel puisse s'associer à un parti qui a applaudi le renversement de son propre régime. Vous comprenez le son de cloche? Mais c'est ce que j'ai dit. Dans les années 90, nous étions dans l'opposition. La junte militaire dirigée par l'ancien Conté était au pouvoir. Il y a eu aussi assez de péripéties à cette époque. Ensuite, il y a eu la légalisation des partis. Nous étions adversaires, le PIP et le RPG. Mais après, on s'est retrouvés. Donc, c'est l'histoire qui continue. Et puis, je vais vous dire une chose. Et vous pouvez demander aux responsables de l'UFDG. Quand l'UFD à l'époque a tenu son premier meeting, moi, Sékou Sapé Kourouma, en tant que secrétaire général de la jeunesse, j'étais présent au meeting. Vous pouvez demander à Baouri, vous pouvez demander à Lamine et d'autres militants de cette époque. Donc, la politique, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires. Et les adversaires, vous êtes adversaires sur une situation donnée, selon une circonstance. Les circonstances diffèrent aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui ensemble parce que nous avons mené le combat démocratique depuis les années 90. Nous nous retrouvons aujourd'hui face à la même situation. On est obligé de se comprendre et de faire face à la nouvelle situation. Monsieur Soapé, ça vous fait quoi le fait de vous retrouver au siège que votre gouvernance vous a fermé à un certain moment? Ça vous fait quoi? Écoutez, j'ai dit que l'histoire est remplie de péripéties. Vous comprenez? Ici, ce sont les Guinéens qui sont là. Et donc, je suis fier de me retrouver chez certains de mes compatriotes.